et Louis Chat qui est parti avec un Clark. Guy, je crois. Et il Chris. Doit avoir son Yori Flamme, je pense. Il y a un Yori, je crois. Yori. Voilà, Yori Clark Chris pour Louis Chat. Bizarrement. Sur justement le thème de Wolfgang Krauser. Avec cette première mise à terre de Clark. Allez, le saucé pour Louis Chat. Le bas gros point, ça c'est bien vu, la course chope, mais qui n'est pas passé, ce arrière gros point, je sais pas pourquoi, le avant B, ça c'est bien joué, ce CD qui touche, ce CD, c'est très très dur de se défaire du CD de Chris, hein, donc en 98, le CD de Clark, qui va battre le bas gros point, le phare gros point de Chris, ce gros point, oh là là, le break CD immédiat, ce gros point, oh, la chope de Clark, on l'a vu jamais, genre Day One quoi. Tu ne vois jamais après. Oh ouais, allez, Frankensteiner ouais. C'est vu. Wouah, ça rattrape les counters avec un stand B quoi. Ça veut rien dire. C'est normal. Oh, le stand A de technicien. Un technicien, on te dit ici. La chope de Clark, ça va pas tuer. Saut CD qui touche. Saut CD et break. Le break CD de la part le fameux. Des Clark de Tahar. Tahar qui avait des barres quand même pour carotte ce break CD qui tue est prévisible. Mais bon, c'est. Il faut y penser sur le c'est pas évident. Hein. L'agression du Yori. Il a quasiment rien. Waouh! Hop! C'est la musique de Wolfgang Krauser. Tu aimes bien le classique. C'est ça. Oh, le Red Bouquet qui va se faire punir avec Erika. Très très bonne entame de match de la part de Louis Chat. Gros point d'anti-air. Le bas gros point de Guise. En réponse, double Red Bouquet. La douche. Oh là là, le bas gros point. Allez, break CD immédiat. Le saut CD qui va se faire contrer à nouveau. Oh, allez, ce gros point, le break CD à nous. Oh, le bas de Repouken, Repouken, Repouken. Ouais, c'est bon là, on a compris. Et ce gros point. Erika pour ce Yagami. Ouais, oh, le bas de point. Oh là là, ça joue chat. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Redescends. Non. Petite cozounette. Le Yagami. Ah, les noms sont inversés. C'est pas les bons noms. Ah, faut inverser les noms. Faut inverser les noms. Bah, oh, voilà. C'était à la frame, hein. Ah, voilà, je suis trop gentil. Allez, la chope. Pour le Yagami de Louis Chat. Ce gros merci point, la déchoppe qui est immédiate. Oh là là, le ah. Oh, ce gros oh, pied. Cette souplesse, ouais, oh, souplesse rendue, hein. Oui, mon petit pied là, reste là-bas. Je recule. Allez, chope là. Magnifique ça. Ah. La furie qui fonce, on te dit. Superbe tips et astuces venu de Maximo de Youssef. La furie qui fonce. La furie qui fonce. C'est pas mal. C'est vrai que l'empêche c'est furie très bizarre parce que on fonce sur le gars, le temps mort, voilà. Hey, c'est pas la furie qui est censée faire ouais, entière. C'est pas le meilleur des conseils contre Clark qui peut faire choc direct quand même. Mais pas notre perso, peut-être. Contre Clark, je sais oh là pas. En tout cas, là, il n'a plus de furie, donc il n'y a pas de furie qui fonce. Ouais, ce gros pied. Oh oui, gros point, dégage. C'est chaud, dégage, il reste rien. Oh oui, c'est des coups oh oui, de oui, derrière. Oui, il y a une furie derrière. Attends, c'est de rattraper, ça y est, là, il y a une furie qui fonce. Oh, ah, mauvaise boule. Ah, très, très et le saut à ce petit point de ce Clark. Aïe, 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 très mauvais tour. Sinon, on peut rappeler juste rapidement que Okuto Youssef a perdu contre Samy du versus Dojo à KOF 13. Bon, on peut le rappeler, une petite piqûre de rappel, juste ça. Juste comme ça, surtout. Ce sera bien sûr posté sur le bruit et l'odeur. Hein. Un célèbre forum. Page Facebook. Qui est célèbre de par le monde entier. Le monde entier la regarde. Des répercussions internationales. Avec des dramas, non ouais. Plus. On la suit du Japon. Hein. Ah bah, c'est vrai. Fox, c'est il vrai, est, c'est Fox, vrai. Il est au Japon. Hein. Ouais. Il est tout le temps dessus. Je vais mourir. Ah là là, c'est parce que allez, Salim qui s'élance, qui va devoir sauver sa team et qui prend un Goro Diamond le à l'ancienne.
Clark et Yagami. Une team de 3 choppers, hein, quelque part. Ouais. Ce qui va pouvoir sauver sa team et affronter Pharaon. Oh, il a mis Diamond en dernier. Hein. Il a raison. Pourquoi pas, pourquoi pas. Cular cul. Les noms, tiens. Go. C'est bon, là, les noms. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, chop de Clark d'entrée. La mise à terre, le mind game peut se lancer. Balayette qui est trouvé, saudé, mais qui ne trouvera pas Chris en l'air. Pour le moment, ça se regarde avec l'avantage à Clark dans le début de round. Le saut chop de Clark. Ça, c'est très très bien vu de la part de notre cher Salim. Saut CD qui fait mouche. Bab et balayette. La chop de Chris. Allez, la glissade en effet qui n'est pas safe. Il va se faire choper. Non, il a tenté une petite entourloupe là, Salim, mais qui n'est pas passé. Pour le moment, ça backlash, échappe. Rien à dire, perfect caché. J'allais le dire, perfect caché. Parce qu'il va retrouver toute sa barre de vie, étant donné qu'il a battu Chris assez rapidement. Map miroir. On peut voir que quand on se souvient pas bien du jeu, on a toujours un petit Clark à sortir. Voilà, ça fait toujours exactement. C'est la base. C'est la base. Les techniciens, ils prennent des persos style et genre Yuri, Evidy, ouais. Tout ça. Non, si tu te souviens pas, tu prends Clark, 2-3 mind games, voilà. Chop, pas chop, et ça finit le taf. Voilà, et on pète la barre de max. Ça veut voler. Et d'ailleurs, ouais, même si on n'est pas technicien, ils ont pris la barre advance pour pouvoir claquer des barres en max. Pour si on se rappelle pas, voilà. Que les breaks CD fassent plus mal. Voilà, exactement. Allez, ça c'est l'équipe des mouches pour Salim. Il gère pour l'instant. Ça se regarde, hein. Il gratte. Allez, ça c'est pour Louis Chat. La balayette, c'est vu par Salim. Oh là là, mais. Tout à l'heure, je lui ai mis 4 dés d'affilée à Louis Chat. Je crois qu'il aime pas le dé. Fais le dé. Ah, oui, c'est ça c'est des breaks CD. Dé, fais un petit dé, c'est fini, voilà, dé, il va le prendre. Dé, la réponse dé. Oh là là. Wishak a eu... Oh là, il a tenté. Wishak avait une lecture, une lecture d'avenir. Ouais, mais là, il était tout seul, là. Mais il était tout seul ouais, en l'air. Hein. Salim l'a pas suivi, là. Il a voulu faire une au gaucho. C'est dit, je vais faire course, chope entière, des fois qu'il a eu peur de la chope au sol, mais voilà. Non, on est bien au sol, finalement. Et là pour l'instant le Clark est irrésistible. Oh la chope elle a arraché beaucoup hein. Évidemment suffit de dire ça. Mais il a taffé de ouf hein ce Clark. Et il a mis 2 barres. Bon bah là Yori hein. Là c'est un match de KOF 13 quasiment. Ouais clair. Le max mode en moins. Le max mode en moins mais tout le gameplay est là. Bien. Ça se regarde, la course gros point. Oh, le dragon bien exécuté. Le sauté, le bien joué. Ça c'est bien joué ça. Alors on sent qu'il sort toutes les entourloupettes de l'époque là qui ressortent. C'est clair. Au bon moment. Allez course bas A, Stendy qui a touché, break CD média. Ouais break CD rendu. Oui. Hein, oh le crosser, bien vu. Hop. Franchement il était invisible. Par contre le setup derrière c'était juste pour se barrer du temps. Ouais exactement. Course bas B. Ça récap pas trop. Hein, ouais, ça se respecte. Par rapport à Coffret, ça récap un peu moins oui. Allez gros point réca. Ce shot spécial qui se fait avoir par la chope normale. Ah ouais, le gros pied, Reka. Attention, ah, il saute pour tenter des petites furies en chaud. À faire whiffer. Oh là, aussi. Allez, break CD, c'est des boules. Ah, mais au lieu de faire break CD, fait la furie entière sur les sauts. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Dosa. Oh, Louis-Cha. Oh là là, le gros dragon. Bon, bah, ça c'est champagne, hein, ça c'est cadeau. Ça c'est le Brésil. Il va rester très très peu de vie à Louis Chat contre une barre entière d'un Goro Diamond. Ouais, ça va être ultra dur. Ah ouais, oh, oui, voilà. La fameuse entière. Entière qu'on disait de faire. Oh, ça avait pas cross-up, c'est bien évité ça. Ça fait mal. Ah oui, il passe en max. Claque la barre pour faire plus mal sur les normaux. Il met 2 dés là, 2 ou 3 dés. Le Réka, bon. Oh, la furie, mais qui passera pas. Le Louis Chat qui est en mode fou, il tente des schnapsfries, ça doit être les conseils de Pharaon, ça juste à côté. Course gros pied, le saut CD. Hop, c'est chaud. Oh, c'est tendu. Il y a moyen hein, pour Louis Chat, le gros pied. Babé. Il a fait. La boule, mais le bug. Il y a un bug Louis avec la boule. Bah oui, il y a un bug pour faire un blocage. Oh là là, c'est pas possible. Ça joue sport, ça joue fair play. Oh là là, oh, le dé. Oh, il va être. Oh, la break CD. Battant et. Il en a pas voulu. Mais qu'est-ce qu'il ça faut dire, ça. Mais tuez-vous les uns les autres.
Il attend, d'accord, on est bien, Louis Charles. Ah oui, bien joué. Et ce second pied. Et oui, mauvaise boule, très mauvaise boule. Ah là là, c'était de, chaud. De Louis Charles. Et donc le Max saut, Mode, hein. le CEO de Max Mode, alias Pharaon, prend place. Mais il s'appelle Louis Chat, du coup il a été tenté de Louis Chat. Chat, Louis Chat, c'est normal. C'est, pas... normal. C'est pas passé. Bah du coup c'était facile de deviner qu'il allait faire boule, tu sautes dessus. Si, bah ouais. Il aurait dû faire ça depuis le début au final. Ouais. Et là Pharaon, alors je ne sais pas s'il vaut guère plus que Louis Chat ce jeu. Ah il a une vice hein. Ah ouais il c'est vrai, la vice qu'il a de tous les coffres hein. C'est son voilà. Perso du cœur à la base. Vice, Choi et Guise. On pourrait conseiller un AJ aussi qui fait toujours le taf hein. Si tu cherches un dernier AJ bon je me prends le AJ fait toujours le taf hein. AJ, ouais. Le ninja hein. Dans tous les jeux ça marche hein. Vous jouez le ninja, pas d'embrouille, il est pété, c'est normal, c'est le ninja, c'est des japonais qui font le jeu souvent. Donc mais en fait, j'ai jamais vu un ninja lotière en fait, quel que soit le jeu de baston. Ninja lotière Un ninja lotière, cherche. Bah de peut-être dans le jeu où il y a que des ninjas. Ah oui, forcément il y en a un qui a un dojo meilleur que l'autre. Voilà, c'est ah, ça. Oui, c'est ça. Peut-être celui-là. Genre ninja master, tu vois. Ouais, voilà, dans ninja master, il doit bien avoir un ninja fait. En Persona, il y a un ninja qui était pas folichon. Ouais. Ouais, Yusuke qui a dit. Hein go couteau, ouais mais lui on s'en fout, oh, c'est pas un vrai ninja. Ah, bon, hein. Ah oui pardon. Qu'est-ce qu'il y a, t'as perdu. Il y a la pause du... Car en effet il avait pas sa config. Ah bah oui il a oublié, c'est la config de Louis Chat. Hop là, save, on recommence hein. Bah oui c'est le mieux. Bah si, oh, c'est très très grave. Ça il y a le début. Mind game de qu'est-ce que tu vas faire. Voilà. Mais là, peut-être, est-ce une technique. Et pour tiens, avoir d'ailleurs, Pharaon est un technicien parce qu'il prend en esquive extra. Ah ouais, esquive extra, il joue. Et en dash avec une barre en extra. Ah, il aime courir, ça. Voilà, exactement. Ouais, ça sent le mec qui a fait le jeu pour le tournoi. Et ça sent aussi le mec qui fait le tournoi, qui l'organise. Voilà. Genre, ah, on me dit ça, on dit. On dit rien. On dit rien. Il est Team Chaos quand même. Il est parti s'exporter au Mexique. Bah, ils doivent tous jouer Chao Zhu pour ça. Je vois pas d'autre explication. Allez, Choi contre Goro Daimon. Oh, le fameux Choi, couleurvoix.fr. Voilà. Rose et vert. Dédicace à Shinkawa qui avait peur du Choi tout à l'heure. Ah oui. Et qui a réussi à s'en débarrasser hein, malgré tout. Ah, je sais pas si tu connais mieux que ah, oui. C'est quoi le match-up là. Le match-up il est très très dur parce qu'en fait Choi est très mobile. Et comme vous pouvez le voir en fait, mais bon il a pas pris la bonne barre avec Choi. C'est que s'il avait pris la barre advance, le fait de faire ça là, le truc qui repart en arrière et tout, ça charge la barre mais à une vitesse. Donc il a rapidement des furies. Et ce qui fait qu'au niveau offensif et défensif, bah il est complètement là. Mais là, vu qu'il a pris cette barre, il va manger le bug. Oh, c'est pas possible de rater les bugs comme ça, là. Tcha. Oh, là, allez, saut gros pied, voilà, il a chargé une petite barre. Ça va être sûr qu'on va y comme ça, bah oui, normal. Ouh, ah oui, oh, la chope, c'est bien vu, ça. Heureusement qu'il a tout ça des mers. Aïe. C'est chaud. Oh, oui. Oh là là, il fait pas les quatre. Oh la furie qui va gratter. Au nez et à la barbe. Devant ça le gueux. Oh là là. Pas trop de respect quand même là-dessus. Choi qui fait son flying, il peut le faire 4 fois normalement hein, et Pharaon qui s'arrêtait à 2. Bah, oui. Donc bon je sais pas pourquoi. Ah, il a une furie la gratuite. Allez bas au point, voilà son petit truc flying là. On voit une furie. Hein. Ça charge la barre devant ça. Oh il y avait confiance super là sur le bagro. Ouais. Ouais, non, il avait pas encore la. Ah, mais si, il était dans le rouge. Bah oui, il était dans le rouge. Bah, gros point confirme. Bah ouais. Et la vis du cœur. Ouais. Parce que, comme on a une barre extra, vous verrez que quand il nous reste très peu de vie, la pierre qui clignote rouge. Et en fait, vous avez. Là, c'est le festival des furies, vous pouvez balancer une furie quand vous voulez. Voilà. Et tu vois un orteil bouger, tu envoies le bim qui fait. Tu bouges, tu manges la furie. Ça, c'est bien. Oh oui, mon petit lot, viens par là. Ah, la chope qui a été tentée par Pharaon. Charge la barre pour avoir une barre de furie. Ce qui lui permet d'avoir un break CD éventuel. Ou justement d'utiliser sa furie s'il arrive à toucher ce Clark qui fuit un petit peu. Carte de la campagne. On a allez, jamais vu ça. Saut gros point.
le stand-up de Clark. Ah oui, bien. Ah oui, bien joué ça. Ah oui, la poule. Oh non, la poule qui fait avoir par le côté Steiner. Allez, course shop de Clark. Voilà, la barre de Vice clignote rouge. Donc elle peut faire autant de Fury qu'elle veut. Si elle charge, elle a une Fury max. Oh, le saut CD qui était au millimètre de pixel près d'avoir cette Vice qui mange ce saut CD. Il avait voulu faire une entourloupette là, mais c'est mal connaître le vautour qui aime bien sauter, hein. Il est assez aérien. Voilà. Comme son surnom l'indique. Un peu volatile ce vautour. Volubile, volubile. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, qui envoie, je sais pas, le guide en vert et contre. Allez, saut CD pour Pharaon. Qui a essayé de trouver l'ouverture avec Babé, mais une bonne garde de la part de Salim. Il pas trop de boules là, il a peur peut-être d'un break pour la Je sais pas, alors que le double Rekuken aérien peut être une bonne chose. Ah, voilà. Ah, il a pas pris le guise, il a pas pris Yates guise, il a pris guise normal. Ah oui, c'est normal. Ah oui, oh le Rekuken. Ah, voilà, la distancia. Avec la bouteille, et c'est fini là, tu as boule la bouteille. Ah non, il veut pas partager. Oh hey, oui, gros point. Le par gros point. Il suffisait de tendre le bras. Ah ouais, là par contre, il va avoir fort à faire ce guise mythique mi-raisin. Donc le Yori complètement rodé. Allez. Et du vautour. Oh là. Allez, ça c'est des qui fait mouche. L'agression dans le coin. Oh shot spécial. Gros point Rika. Ça passe bien. Non, ce décalage gros point, c'était bien vu. Attention à ce guise qui a Fury. Oh, Rising Storm, non, qui est pas passé, pas gros point. C'est chaud, double Rekuken. Oh là là, ça claque la barre en max. Ça va faire mal hein, s'il y a le Deadly Rave ou Rising Storm qui passe. Oh, oh non, il avait la Chop Spray là, il a la Fury Chop. Ouais, il a la Fury Chop, voilà, exactement. Il a pu l'enlever là, ouais. Je sais pas, il a fait ce. En petit saut vide, rien. Voilà. C'est dommage, voilà. C'était bien pas, c'était bien mindé, mais dommage. Bon, et allez, je vais demander à CCL et Kenpachi de prendre place.